Dernière question. Dites-nous pourquoi, à votre avis, un professeur de gym ferait un bon directeur? C'est la maîtrise du tir à l'arc, son exigence, m'ont permis d'apprendre le contrôle de soi. Mais c'est surtout en tant que professeur que j'ai appris à allier la pédagogie, la performance. Tu vas pas bousiller tout ce que j'ai construit. Et la discipline. T'es fait virer de sa place d'apprentissage pour vol. Qu'est-ce que tu viens de cacher là? Du tout. Mais tu penses qu'il aurait pris comment à l'instruction publique que mon propre pupille va s'arrêter? T'as pas compris que je m'en fous, Elvis? Tu vas jouer à celui qui pisse le plus loin avec un gamin de 18 ans? Je te le dis, Elvis, il faut que tu te calmes. Ce que j'adore avec votre génération, c'est que c'est jamais de votre faute. Il y a toujours une bonne excuse pour vos conneries. Mais si t'aimes tellement les animaux, pourquoi tu t'emmènes à faire une école d'horlogerie? Je vais partir au Zimbabwe. Au Zimbabwe? Pour les lions. J'ai toujours voulu faire ça. Qu'à finir ton diplôme, j'ai un ticket, tu te barres. Ça va disparaître, le Zimbabwe. Non, mais t'as pas compris, quoi. Faut que je me barre avant la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je bosse ici. Tu travailles pour mon père? C'est toi l'emmerdeur? Ton tuteur m'a dit de pas te ménager. Alors, comment ça s'est passé cette première journée? Fais pas croire que t'es pas au courant. Au courant de quoi? Le deal qu'Elvis a fait avec mon père. Écoute-moi bien, fils de pute. Notre accord, tu peux te le foutre au cul. Et tu peux dire au revoir à ton poste de directeur. Je t'ai même pas posé la question de ce que moi je risquais dans ta combine. Et putain, qu'est-ce que vous avez tous à me casser les couilles? J'ai rien demandé à personne, moi! Tu vois, on n'est pas si différent finalement. Accélère! C'est lourd, ce con.